Madame Meïka, avant de conclure et de terminer, je vous rappelle, on l'a déjà dit avec Mylène à l'instant, la journée porte ouverte au Parc et Jardin le samedi, là, samedi qui arrive. Je vous rappelle aussi la cérémonie du 8 mai, bien évidemment, 77e anniversaire de l'armistice. Et je vous donne rendez-vous devant l'hôtel de ville dimanche, donc à 10h30. Vous êtes tous, bien sûr, les bienvenus. Vous l'avez vu, c'était affiché à un moment donné sur les écrans. Il y a le village des découvertes le samedi 14 mai de 10h à 18h qui se passera au parc Montessui, mais aussi dans d'autres endroits, hein, au parc Montessui pour l'essentiel. C'est le premier village éco-responsable porté par la ville et le collectif Les Nuits de l'Éco. Et puis, ça on en a parlé plusieurs fois, le 21 mai, c'est la préfiguration de la piétonnisation, c'est une nouvelle conception des rues du commerce, de la rue des Voirons, de la rue Pasteur et de la rue des Vétérans, avec du mobilier urbain nouveau, du marquage au sol et des animations. Et le 21 mai, en particulier, une animation nouvelle, vous en avez eu le dépliant, Annemasse vibre, le 21 mai, Annemasse va vibrer, et c'est un festival des arts urbains. Donc, je vous invite tous à participer, très très nombreux, à ces manifestations qui montrent que l'animation de la ville n'est pas qu'une déclaration, c'est une réalité. Merci beaucoup. Et puis enfin, quand même, je remercie la Direction Générale d'avoir pris cette initiative et qu'on approuve totalement. On a un pot à partager, juste là, dans le hall de l'agglo. Donc, quand même, c'est un élément très intéressant. Malheureusement, les personnes qui nous regardent ne pourront pas partager ce pot avec nous, tant pis. Mais je les salue et je vous salue tous. Bonne soirée, merci beaucoup pour votre participation.